Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour le week-end pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour ce week-end pour vous avec cette personne. Je vais commencer avec la chanson. Donc, il pourrait y avoir des messages de cette personne ou vous à cette personne. Message de vous à cette personne. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires avec les paroles. OK. Et si tu n'existais pas, de Jo Dassin. Wow! Ben, pas besoin de coller les paroles, hein? Vous savez très bien qu'est-ce que ça dit, hein? Bon, je vais avoir ça dans ta vie. OK, je vais aller chercher maintenant des lettres. Des lettres, ça peut être des initiales, des mots, des noms, des lieux. N'importe quoi. Je vais coller dans la boîte de description. OK. R M F A J U et T, cette lettre que je vais coller. OK. R, M, F, A, J, U, T. OK. Message du livre. Donc, message concernant l'amour ce week-end. Pour vous. Ah! Flirt, flirt, flirt. Peut-être une petite sortie, une petite rencontre, quelque chose comme ça, ce week-end. Ah, ça pourrait être cool, hein? OK. Je vais commencer avec mes Wisdom of the Oracle pour voir l'énergie pour vous et cette personne. Si vous avez quelqu'un en tête, sinon c'est votre énergie pour le week-end. En amour, s'il vous plaît. Message. L'énergie en amour pour le week-end. Paix. 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 Tranquille, peut-être. Mais c'est tellement une belle énergie. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va vous apaiser. Ou vous allez vous sentir comme ça. Apaisé. Peut-être que juste vous allez vous reposer. Vous allez faire des choses que vous aimez faire. Vous allez avoir un repos de pensée pour certaines personnes. Ça peut aussi parler de quelque chose de nouveau, un changement, quelque chose qui change, un message de paix. Un message de paix. Quelqu'un veut faire la paix. OK. Je vais clarifier. En fait, je vais sortir d'autres cartes oracles. Donc, on a Wisdom of the Oracle. Je vais prendre maintenant mes Gateway. Message pour le week-end, s'il vous plaît. En amour avec cette personne ou en amour pour le week-end.
Joe Dassin, hein? Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Ça va au-delà d'exister dans le 3D. Okay? C'est vraiment exister. Partagez de vous-même ce week-end. Je suis un être incroyablement généreux. Ou généreux. Je suis un être incroyablement généreux. Peut-être que ce week-end ici, vous aidez des gens, justement. Peut-être que vous, en partageant vos histoires, vous aidez quelqu'un ici, ou ça vous aide à avoir de la paix. Peut-être que vous allez, c'est ça, rencontrer quelqu'un, flirt, avec qui vous allez vous sentir très, très calme. Peut-être quelqu'un de nouveau pour certaines personnes, avec qui vous allez pouvoir vraiment partager de vous-même, et cette personne aussi. Il se peut aussi que vous accueillez des gens chez vous ce week-end. C'est des gens qui vous aident à vivre le moment présent. Donc, c'est toujours très plaisant, les conversations sont super. On pense à rien d'autre, on est vraiment dans cette énergie de... C'est une paix intérieure, OK? Il pourrait y avoir ça, où est-ce que vous allez être occupé à vous occuper de d'autres personnes? Ici. En tout cas, à date, là, c'est un beau week-end. On dirait que vous partagez votre histoire, vous dites quelque chose ici. J'espère que vous avez aimé la lettre. Ça fait longtemps que je l'ai dit, mais si vous voulez mes jeux... Et mon lien de ma petite boutique à Printer Studio dans la barre de description en dessous et dans à propos. Vous pouvez aller vous procurer des jeux. J'ai des t-shirts aussi, j'ai des hoodies. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir. Je vais aller regarder ma collection. Choisir votre parcours. Alors, tout est possible ici. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, là, ça pourrait vraiment... C'est comme un peu ici, comme le fou. Okay? Le fou qui décide de quelque chose, décide de son parcours, puis aussi décide de prendre un risque, faire quelque chose de bien. OK, choisir ça. Tout est possible, on vous dit. Il n'y a pas... En fin de semaine, là, ce week-end, là, il y a peut-être des opportunités qui vont venir vers vous. Peut-être que vous allez devoir faire un choix ici. Tout est possible. C'est intéressant. Il se peut que vous faites... un peu de randonnée ce week-end pour certaines personnes, OK? Dans les vallées, ou ouais, c'est ça, dans les vallées, en montagne, ici. Dans le bois. L'été. Il se peut que vous recevez un peu de clarté ce week-end aussi. Il y a quelque chose par rapport aux derniers week-ends de l'été. Donc, peut-être que vous avez un but ou vous avez quelque chose, vous avez envie... de rencontrer quelqu'un avant que l'été se termine. Il y a quelque chose par rapport à les week-ends de l'été, le restant.
Il en reste combien? Il reste 3 week-ends. Hein? OK. Donc, peut-être recevoir de la clarté. Il y a peut-être quelque chose d'ici la fin de l'été qui est vraiment très significatif ici. Donc, un des week-ends, alors c'est peut-être pas celui-ci, ça pourrait être juste un des derniers week-ends de cet été. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose aussi très significatif par rapport à des fleurs, particulièrement. Vous avez ici, il y a des tournesols, mais il y a aussi. C'est quoi les noms de ces fleurs-là? Lily? Non. Jonquière. Jonquille. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Je m'excuse. Je sais pas pourquoi je poignais pour rire. Je m'excuse, mais ça, c'était vraiment. Parce que là, je suis désolée. Ah, j'ai poigné vraiment un gros fou rire parce que. J'ai pas envie de le répéter, en tout cas. L'erreur que j'ai. Je répète pas. Désolée. Oh, un nouveau début ici. Un nouveau début. Un nouveau début. Quelque chose. Ouais. Avec la prochaine nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune. C'est quand donc? Je m'excuse. New Moon, s'il vous plaît. Non, c'est sûr que c'est au mois de septembre. Le 14. C'est bien ça? Ouais. Donc, le 14 septembre. D'ici la fin de l'été, encore. D'ici la prochaine nouvelle lune. Pour plusieurs. Laissez-moi savoir si vous êtes capable de vous souvenir, moi je ne me souviens pas, de ce que je vous dis ça, puis si ça se passe. OK? Donc, il y a quelque chose à partir de là, donc ce week-end, aller jusqu'à, comme je vous dis là, la fin de l'été. OK. Bon, là, je vais y aller maintenant avec des tarots. On va aller regarder plus précisément qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne. OK. Que se passe-t-il pour ce week-end? Faut pas que je pense à. Parce que ici, on. C'est Jonquière, c'est un endroit au Québec. C'est pas ça. Je voulais pas dire Jonquière, je voulais dire Jonquille. Mais ça, pas de bon sens. J'ai des fous rires parfois, là, il faut entendre. Ça n'arrête pas, là, je pleure, je pleure, je pleure. C'est bon. Deux des pentacles. Je sais plus, je sais pas, je sais-tu, je sais pas. Capricorne, Vierge, Taureau. On a soleil. Encore, on a l'été. Ça se répète. Bonheur, clarté, force. Guérison, bonheur, joie. Roi des coupes, cancer, poisson et scorpion comme énergie. Wow! Wow!
Wow! 6 des coupes. Vous les voyez, les cartes? C'est-tu pas des belles cartes, ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un qui décide. Je suis mon soleil, mon âme sœur. Quelqu'un revient, c'est un nouveau début. Puis ça peut ne pas être la personne à qui vous pensez. Ça peut être quelqu'un à qui vous ne pensez pas. Je vais quand même clarifier, là, bien sûr. Donc, peut-être un choix entre deux personnes. Quelqu'un qui a un choix à faire. C'est quelqu'un qui pèse peut-être les pour et les contre aussi. Les pour et les contre. Ça peut aussi démontrer quelqu'un qui a l'esprit très occupé. 4 des pentacles qui vient clarifier le 2 des pentacles. Donc, quelqu'un qui parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas nécessairement, OK? C'est aussi quelqu'un qui a possiblement été très égoïste dans le passé, ne vous a pas dit les choses. C'est aussi quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses, mais qui ne voulait pas vous perdre non plus, qui ne veut pas vous perdre, ou qui ne voulait vraiment pas, qui ne veut pas vous laisser partir. Le chariot énergie cancer qui vient clarifier le soleil. Quelqu'un qui veut vraiment faire avancer les choses ici, là. Roue de fortune. Quelqu'un qui revient, les amis. C'est quelqu'un qui revient. Avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui revient. Qui vient clarifier le roi des coupes. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Avec le 6 des coupes, la reine des coupes, le roi des coupes, je reviens chercher, récupérer ma reine. Un instant. Je reviens récupérer ma reine. C'est quelqu'un qui vous voit comme son match. OK, c'est un lien très émotionnel. Il y a vraiment des émotions profondes entre vous et cette personne. Où il y aura, c'est le match, c'est âme-sœur. Possiblement que vous faites affaire avec votre flamme jumelle. On va clarifier. Deux des épées. Alors, c'est quelqu'un qui vous a possiblement bloqué beaucoup dans le passé, qui vous a vraiment gardé en attente. Qui a été très égoïste, OK? C'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui n'a pas voulu décider, qui n'a pas voulu voir. OK, on a ça ici dans le passé. Je le savais qu'elle n'était pas sortie. On a le diable. Ici, c'est de la joie, c'est l'amour, c'est l'attirance physique, c'est ne pas être capable d'être sans vous vraiment. OK? C'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Absolument. Il y a peut-être, OK, certains blocages ici, là, on va regarder plus. On a encore le 4 des pentacles. C'est quelqu'un qui se retient. Il va revenir. C'est quelqu'un qui veut revenir, qui va revenir. Qui ne veut vraiment pas vous laisser partir. On a le 8 des coupes. Veut avancer vers vous, mais sinon, pourquoi le 8 des coupes ici? C'est quelqu'un qui était déjà parti, qui vous a déjà quitté, ou que vous avez quitté, ou vous allez. Ça va se terminer. Il y a quelque chose qui se termine. Cette personne doit quitter, soit elle doit quitter une autre situation. Donc, c'est peut-être vous devez quitter une autre situation. Sinon, c'est cette personne, la personne à qui vous pensez, qui doit quitter. Une autre situation, OK, cette situation ici qui a de la difficulté à décider ici. Il pourrait y avoir une tierce pour certaines personnes.
Sinon, il doit quitter ici ce diable ici. Le diable qui peut être ça peut être une dépendance, ça peut être une gang d'amis, ça peut être un autre lien ici, OK? C'est pas quelque chose qui va être facile. Sinon, c'est ici, vous et cette personne. Il y a quelque chose qui se termine ici ou qui s'est terminé ou vous allez dire non à cette personne qui revient. Vous n'allez pas reprendre cette personne. Faites attention, hein? Toujours, 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 le plus possible, dire et faire ce que vous ressentez vraiment. Dire et faire ce que vous ressentez vraiment pour ne pas saboter. Ah, oh, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû laisser une chance. J'aurais dû. Là, je vous dis pas quoi faire. OK? Juste de ne pas être réactif. Ça aussi, c'est une des grandes leçons ici avec l'ascension. Huit des coupes, dix des épées, là, ça augure mal. C'est quelqu'un qui veut revenir ici, puis quelqu'un qui dit non. Ou bien, c'est quelqu'un qui quitte notre situation ici. 6 des coupes. Alors, c'est quelqu'un qui quitte pour la majorité ici une autre situation. Ou le diable ici, peu importe qu'est-ce que c'est ça qui bloque la joie, qui peut, OK, bloquer la joie et l'avance, que ça avance ici. OK, ce lien-là. Je vais juste aller chercher une carte pour l'énergie de cette personne pour le week-end. OK, parce qu'on est déjà à 21 minutes. Une carte pour l'énergie de cette personne. Et si tu n'existais pas? C'est vraiment quelqu'un qui revient là, ici. On a une tierce. Alors, il y a une tierce. Soit une tierce, ou comme je vous dis, cette énergie d'autre chose. Dépendance, peu importe. OK? Est-ce quelque chose qui bloque? On a la réponse, c'est non. Équilibrer les choses. J'ai dit que je prendrais juste une carte, mais... Et on a la réponse, c'est oui. Donc, on a vraiment dire non à la tierce. C'est vouloir faire avancer les choses avec vous, avec la réponse, c'est oui. Okay. Donc, c'est pas les mêmes sentiments pour la tierce que pour vous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va aller chercher des messages. Ouais, j'ai vraiment l'impression que cette personne va laisser un lien. OK. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. Puis les énergies, ça peut être vous ou cette personne. Vous allez le savoir. Les lectures confirment vos ressentis seulement. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Alors, peut-être que cette personne a essayé avec une tierce. Ça n'a pas fonctionné. Je te suis reconnaissant. Avec le soleil et le chariot, là, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. Je t'aime. Okay, je veux régler les choses ici. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Alors, dois vraiment quitter quelque chose. Si c'est une dépendance, il doit vraiment s'en défaire. Si, OK. Votre énergie rapidement pour le week-end. J'espère que cette lecture vous parle. Je vais aller chercher une carte des anges aussi. Frustration. Bon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous cause un peu de frustration ici. Vous avez envie de vivre un peu de paix. On a vu, c'était la première carte. Donc, c'est sûr que on est aussi un peu responsable pour notre humeur. Hein? On est responsable aussi pour ça. Donc, on choisit de vivre dans quelle énergie pour le week-end. Parfois, juste une chanson pourrait faire du bien. Juste la musique. Ça pourrait tout changer.
Ça, la musique, c'est magique. Moi, je trouve que c'est magique. Famille. OK. La situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille, possiblement. Et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Donc, ça peut avoir rapport avec des blessures de l'enfant intérieur ici. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue avec plein d'anges autour. Soyez réceptifs à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. En paix. Encore. Avec le même message du début. C'est beau, hein? Bon. Alors, tout ça, je vous ai enveloppé tout ça. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite un magnifique week-end. Et à très, très, très bientôt. Bye!